Sont une priorité. Nous sommes invisibles, c'est indiscutable, d'autant que bon nombre d'entre nous finissent, au fil des années, à n'être plus que l'ombre de nous-mêmes, usés, épuisés, traumatisés, malmenés, déchirés entre la culpabilité faute de moyens de ne pouvoir faire correctement notre métier et cet élan vital de parfois devoir y renoncer pour se protéger. L'investissement et l'implication qui ont toujours été le carburant des travailleurs sociaux, se heurtent au découragement et à la démobilisation. Il y a des limites au-delà desquelles on ne peut pas aller au risque de menacer sa propre santé. Il paraît que personne n'est irremplaçable. Eh bien nous, travailleurs sociaux, ex du social, du médico-social, nous pouvons affirmer le contraire actuellement. Non seulement nous sommes indispensables au regard des missions qui nous incombent, mais nous devenons, qui plus est, irremplaçables au vu de notre salaire misérable et de nos conditions de travail détestables qui éloignent de notre profession toute nouvelle vocation. Mais pas si on parle fort Les responsables de la préfecture nous entendraient ou les directeurs des établissements de Lyon, du social et du médico-social? Je pense qu'on porte tous les mêmes revendications. Aujourd'hui, on est attaqué en effet de tous les côtés. Ça a été suffisamment communiqué. Nos conventions collectives sont sur l'échafaud, là. Ça veut dire qu'on s'est battu depuis des années. Et là, par force du gouvernement, du ministère de la Santé, on va... Je vais mal parler, mais on va nous la mettre de la nique, quoi, bien profond. Et le problème, c'est que nos responsables d'associations, ok, on n'a pas les moyens, ok, on n'a pas assez de besoins, mais personne n'a le courage d'aller aux tutelles, de faire force. Ça s'est vu dans le passé. Des directeurs qui ont monté des mouvements et qui ont dit, il y en a marre, il nous faut plus de moyens. Non! On reste cantonné dans les CEPOM avec sûrement la crainte que l'ARS coupe les vivres.
et ne donne pas les moyens aux structures de fonctionner. Donc tout ça, c'est du chantage financier. Et on en est aujourd'hui, voilà, avec de la souffrance au travail, de la souffrance au niveau de certains moches de management, et pas de moyens suffisants pour faire notre travail. Et de la maltraitance, pour faire notre travail de manière bienveillante et faire notre travail correctement auprès des personnes qui nous sont confiées. Et on a parlé de culpabilité tout à l'heure. Oui, il y a un peu de ça. Et de la frustration aussi, parce qu'on voudrait faire mieux, mais on ne peut pas. Et on n'est pas entendu. Et on n'est pas entendu jusqu'en haut. Et alors, que faire ? Il faut écrire un livre. Donc oui, il faut continuer à être dans la rue, même si peut-être qu'on n'arrivera à rien. Mais l'espoir fait vivre. Et il faut projeter du positif et garder ça en nous, parce que c'est ce qui fait qu'on est dans ces métiers-là. C'est qu'on croit toujours que la petite flamme, elle ne va pas s'éteindre là. Et notre boulot, c'est de la laisser allumer, cette petite flamme, et continuer à y croire. Mais il faudrait que nos directions, elles appuient là-dessus aussi. Et elles appuient pas. Donc il faut qu'elles demandent plus de moyens. Donc il faudra qu'on aille à l'ARS le prochain coup. Ah bah allez, le 17. Direction. Ouais, donc merci de votre présence. Et il faut continuer. Merci pour nous. Ouais. Ça vient du cœur. Bah oui. Non mais restez nerveux parce que ça va pas bien. Mais je suis pas énervé, ça va pas bien. Je suis investi. Passionné.